Et bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur Balance of Kingdom. Il est tellement cool, il est tellement génial. Je me suis dit c'est obligé, faut que je le présente à mes abonnés. Mais vous allez voir, mais vous allez tellement kiffer, franchement. Je l'ai trouvé tellement cool le principe du jeu. Regardez, au début on peut sélectionner notre petit héros. On peut sélectionner un petit roi, un petit chevalier, une petite sorcière. Bien sûr, on prend le petit roi. On peut même choisir la couleur en vert. Moi je l'aime bien, non? En rouge, bah en rouge c'est pas grave, c'est bien aussi. J'adore en rouge. C'est ma couleur préférée. La preuve, je porte un pull rouge aujourd'hui. Le principe est super simple, super ludique, super amusant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voyez qu'en bas à gauche, on a notre population, on a des pièces d'or et on a une petite étoile. Donc les petites étoiles, ça va être, il me semble, les niveaux de notre royaume. Au début, c'est très simple. On va aller par exemple d'Anton. On va poser des petites maisons histoire d'augmenter un petit peu la population de notre royaume. Vous voyez que ça nous coûte 5 pièces d'or. On va en poser une. Ouais, plus par là. Une à gauche. Et surtout, pour équilibrer la balance, d'où le nom Balance of Kingdom, on va en poser une à droite, si possible au même endroit. Voilà, comme ça c'est parfait, vous voyez ça, l'équilibre est là. Alors là bien sûr, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, ma population grimpe petit à petit, puisque je viens de rajouter des maisons, mais mes pièces d'or ont baissé, puisque c'est 5 pièces d'or, une maison. C'est quoi les étoiles? Non, c'est absolument pas le level de notre royaume, je ne crois pas. Alors par contre les galéfis, s'il vous plaît, je compte sur vous pour le petit like. Vous me faites péter tout ça sous la vidéo là. On bombarde. Pef, 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 pef là. On va poser deux larges ouzes. Une juste ici et une vite juste ici. Voilà. Histoire d'équilibrer la balance. Hop, 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 hop. Voilà, tranquille hein. On tente les 1000 likes sous la vidéo. 1000 likes, je suis sûr que vous pouvez le faire. 1000 likes. Comme ça, easy. Et bien sûr, vous me mettez un petit commentaire si vous voulez la suite. On est ultra chaud. Moi, je suis tellement ultra chaud pour ce petit jeu. C'est un truc de fou. Regardez ma population, comment qu'elle monte. Ah bah ouais, mais par contre, j'ai plus de pièces d'or, mon gars. Je viens de tout niquer. J'ai 170 étoiles. Les étoiles, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Objet town, castle. Ah d'accord. Donc celui-là, ouais, ça va être niveau 3. Vous voyez, il est bloqué. Town, town, town. On peut construire des windmill. Ouais, des windmills, c'est pas mal ça. C'est quoi des windmills? Ah mais c'est, ah c'est des moulins, regardez. Regardez, je peux augmenter le niveau de mon château. Ah, et voyez qu'en fait, tout ce qu'on achète, donc il y a des trucs en fait, on va les acheter grâce à la population de notre royaume. Par exemple, vous voyez que j'ai 157 personnes dans mon royaume. Et par exemple, un windmill, ça coûte 10 personnes. Donc, eh ben, on prend nos 10 personnes et on achète des windmills. Et quand on achète des trucs avec des personnes, on va remporter des pièces d'or. Et quand on achète des trucs avec des pièces d'or, on va remporter des personnes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc là, on va augmenter, on augmente les pièces d'or. Voilà. Et voyez qu'on passe à niveau tranquillement. On est au level 2, c'est marqué en bas à gauche. Et, mais what? Mais pourquoi il a sauté, lui? Mais c'est un ouf. Mais il est complètement taré. Là, voyez qu'on est parfaitement... On est équilibré, franchement. Là, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter, je pense, un petit marché. Histoire de remporter des pièces d'or. Je pense qu'on va en mettre deux des marchés, regardez. On va en mettre un juste là et un juste là. Voilà, comme ça, ça équilibre. Ah, c'est de la stratégie. Alors aussi, tant que j'y pense, les gens, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Très important, tout est dans la description. Il va y avoir des petites parties de scrap mécanique et tout. Il va y avoir des parties de Minecraft bientôt, tous ensemble avec les abonnés. On va faire tout ça et il va falloir me rejoindre sur Twitter. Et bien sûr, le petit Discord aussi. Oui, parce que pour parler, si vous voulez qu'on joue ensemble, c'est toujours mieux Discord. Et mais pourquoi ils sautent tous, mes bonhommes? Franchement, je comprends pas, les mecs. Attendez, attendez, on va reposer des marquettes. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. Tout est dans la description, comme d'hab, vous connaissez. Donc, on va faire ça comme ça, voilà. Ouais, yes, là, c'est pas mal. Là, on est bien, franchement. Objets, alors, on peut aussi prendre des objets, par exemple, des briques, tu vois, histoire de faire un petit peu tout ça. Je pense que là, on va mettre... Ah, attendez, regardez. Pour vous dire que c'est complètement stratégique, hein, je pense que j'ai la bonne astuce. On va poser une brique juste ici. Oh, oh putain, j'ai fait le con. Ah, j'ai fait le con. Attendez, voilà, une longue planche. Voilà, vous voyez comme ça. Voilà, vous voyez comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas trop mal, tu vois, là on est bien. On se stabilise les mecs. On se stabilise. On va acheter une large maison qu'on va poser d'abord ici. Et vite, 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 une ici. Yes, on augmente les pièces d'or. Oh, faut surtout pas qu'il y ait un truc qui tombe à l'eau. Faut surtout pas qu'il y ait un truc qui tombe à l'eau. S'il y a un truc qui tombe, c'est mort. Donc là, bien sûr, on est dans le mode free. Hein, c'est-à-dire que c'est le mode sandbox. Tu peux construire un petit peu tout ce que tu veux. Je vous montre comment que ça se passe. Mais il y a plusieurs modes. Il y a un mode build challenge. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs sur notre royaume. Par exemple, il va nous dire de construire telle ou telle maison. Il y a un mode battle. On va pouvoir se battre en multiplayer. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Oh, regardez. Regardez, l'équilibre parfait. Oh putain, mais... Oh, il a sauté. Mais pourquoi t'as sauté, mon gars? What? What? Vite. 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 Ça tombe pas. Ça tombe pas, ça tombe pas. On va remettre un petit peu de l'autre côté.
On va en remettre un petit peu l'autre côté. C'est pas tombé les mecs, c'est pas tombé hein. Voilà, c'est les briques qui tombent, c'est rien, c'est rien, c'est les briques qui tombent. Ah bah bord. Vas-y, 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 c'est mort. Ah. C'est fini. C'est la fin. Les femmes et les enfants d'abord. Oh putain, il y a tout le monde qui a sauté, mon gars. C'est... Ah non, il reste quand même un petit peu d'énergie sur mon château, vous voyez. Je peux repartir sur de bonnes bases, hein. On va repartir sur de bonnes bases, de toute façon. Regardez ce qu'il faut faire, voilà. C'est vraiment, faut avoir l'équilibre parfait. Là, on monte, par exemple, les pièces d'or. C'est tout un art d'avoir l'équilibre dans ce jeu, je vous jure. C'est un truc de ouf. Par exemple, bon, c'est rien. Bon, c'est rien. Ça encore, c'est rien. Voilà, une maison qui tombe, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, l'autre côté, ça tombe, mais c'est rien. C'est rien, c'est rien. Ah bah, des fêtes. Ah bah, si. Si, c'est quelque chose. Donc là, vraiment, c'était pour vous montrer un petit peu le mode de jeu free. Donc, vous voyez qu'on a fait une petite défaite. Ça va, tranquille. Donc, comme je vous disais, regardez, on a 4 modes de jeu. On a le mode Build Challenge. On a le mode Free Build. Donc, Free Build, c'est celui qu'on vient de faire. On a le mode Battle. Et on a le mode Survival. Plouf, 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 Amstram, Gram, Piqué, Collégram. Tire à essayer le mode Survival. Ouais, ça peut être pas mal. Pour l'instant, j'ai essayé que le mode Free Build et Build Challenge. On va prendre notre petit roi en rose. Parce que franchement, il est mignon en rose. J'aime bien. On peut choisir... Ah, yes! Putain, on peut choisir la taille de notre plateforme. Mais c'est excellent. Bon, on va la prendre à fond, mon gars. Oh! Vague 1? What the fuck? Bon, bah, écoutez, je vais poser des maisons. Attendez, on va poser une petite ici. Ah ouais, putain, ils sont tellement chers, les grosses baraques. Une petite ici. Voilà, vague 1. Alors, vite, 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 vite. Un petit moulin. Un petit moulin ici. On va augmenter les pièces d'or. Un petit moulin ici. Voilà. Ouais, oui, 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 oui. Oui, on est bien. Un petit market juste ici. Et un petit market juste ici. What? Oh mon dieu. Seigneur. Ah d'accord. Ah ok, d'accord. Tu veux faire la guerre, mon gars. Très bien. Eh ben, moi aussi, je vais faire la guerre. On va poser... on va poser un canon. Attendez. On va poser un canon par ici. Et est-ce qu'il y a moyen de le... Voilà. Et on va poser un canon par ici. Là, on est pas mal. On va même mettre encore quelques canons. Un canon ici. Sur le marché. Ah, j'ai pas assez de... J'ai pas assez de personnes. Attendez, là c'est bon. Voilà, ok. Là, un canon juste ici. On va attendre encore 7 personnes dans notre royaume. Oh, le bâtard. Vite, 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 vite. Vas-y, on augmente ça. Voilà, et un canon là. On va réparer notre maison. Mais c'est des saligots en fait. Tiens, vas-y, dégage mon gars. Je pense qu'on va mettre plein de canons. Bombarde canon. Ah, mais ça c'est pas mal. On va en mettre un comme ça. Ça, ça va bien bombarder ça. Voilà, un canon de bombardage comme ça. On attend encore 25 personnes. Vous voyez que ça monte en bas au fur et à mesure. Allez, vite, 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 vite. La 25e. Oui, la 25e, elle est là. Oh, regardez. J'ai l'impression que ça vient tout le temps par la droite, mais jamais par la gauche. Est-ce qu'il va tirer l'autre? Attendez, on va... Je pense que là, on est pas mal. Hein. Castle. Stone Tower. Oh le bâtard. Oh l'enfoiré. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Je mets une tour, mon vieux. Je pense que la tour, elle est un peu grosse. Hein. La tour est quand même pas mal grosse. Hein. Attends, ça tient, ça tient. Ça tient, tranquille. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille, on va mettre une petite tour tower. Une petite tour tower comme ça. Voilà. Celle-là, elle est petite. C'est histoire d'équilibrer la balance. On va augmenter plus, voilà, les gens dans notre royaume. Qu'est-ce qu'on peut mettre weapon on va mettre... Ouais, un bombard canon. Oh, l'enfoiré, ça vient par la gauche. Vas-y, bombardez les mecs, là. Mais pourquoi ils bombardent pas? C'est ça que je comprends pas. Bombarde à droite, là. Bombardez les mecs. Ok, il a niqué ma baraque. Ouais, c'est pas grave. Alors là, mon gars, putain, mais là ils m'ont chauffé. Là, oh, putain. Galting canon, mon gars. Vas-y, galting canon par ici. Galting canon par là. Encore un galting canon comme ça. Voilà. On va en même encore en mettre un autre. On va augmenter ouais, les gens. Voilà. Encore un galting canon par là. Là, on est bien là. Vas-y, on met une large housse par là. Oh, elle est tombée du mauvais côté. C'est bon, ça tient, ça tient. On va en mettre une par là ici. On va en mettre une par là. Oh putain, c'est la misère. Ça y est, ça commence à être la misère, les mecs. Une par là. Vite, vite. Vite. Fais péter les briques. Putain, les briques! Vaxi! On est mort! On l'a tout fait péter. Oh, le bâtard, mon vieux. Il a tiré son dernier canon sur mes troupes comme ça. On va se faire un petit mode battle. Je vous raconte peut-être des conneries. Hein. Ah non, c'est pas en multijoueur. Non, non, c'est contre un ordinateur. Mais tu me diras, c'est quand même pas mal. Après, par la suite, ça se trouve, va y avoir du multijoueur. C'est possible. Je vous ai raconté de la merde. Donc, ce qu'on va faire, ouais, c'est que je vais protéger mes maisons derrière. Voilà, large ouze.
Weapon. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Canon, canon, mon gars, canon. Allez, encore un, encore un. Voilà, yes. Hop, voilà, canon par ici. Surtout, on protège nos maisons de ce côté. Ouh, attendez, 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 attendez. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Eh, lui, il est déjà chaud, mon gars, l'autre côté. Moi, laisse tomber. J'ai posé un canon, une baraque. C'est tout. Voilà, là, on est bien. Oh putain, la bataille commence. Mais j'ai rien fait, mon pote. Tu peux pas commencer comme ça. C'est pas possible. À l'attaque, les mecs. Vas-y, la go, là. Attends, mais j'ai rien fait, mon gars. Mais what the... Vas-y, mais tirez, les mecs, là. On va construire... Je sais ce que je vais faire. On va construire un win-wheel. Win-wheel, c'est bien, ça. Voilà. Ça, ça... On va augmenter les gens. Voilà. Ouais, yes. Voilà. Ça, ça tire, les mecs. C'est bon. Bombarde canon, vas-y. Vas-y, bombardez, les mecs. Bombardez, bombardez. Attends, on va construire 2-3 maisons, encore, histoire d'avoir du monde. Large house. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Weapon. Allez, allez, allez. Allez, on attend 25 personnes. On attend 25 personnes. Oh, putain. Je suis en train de le niquer, là. Non? Ou il est en train de me niquer? Non, il est en train de me niquer. Hein. Mais tirez! Ah, non. Ah, d'accord. Putain, c'est moi. Ah, c'est moi qui devais tirer. D'accord, faut appuyer sur F pour tirer. Attendez! J'en savais rien, moi, les mecs. Qu'est-ce que j'en savais qu'il fallait tirer avec F? Je pensais qu'il tire automatiquement, moi. What the fuck? Ok. Je crois que j'ai perdu. Non, clairement, je pense que c'est... Ah ouais! Ok, faut pas tirer trop fort. Putain, mais il y a un dosage. D'accord. Ok. Ouais, mais j'avais pas compris. Tu vois, je suis excusable, j'avais pas compris, en fait. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est une deuxième vidéo. Parce que là, franchement, c'était le coup de chauffe, on va dire. J'avais pas si bien compris que ça. Je garde le build challenge pour une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Vous faites péter la barre des likes, les gars, les fiches comptent vraiment sur vous. Et vraiment, moi, je kiffe ce jeu. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Et je suis vraiment chaud pour vous proposer un deuxième épisode sur ce jeu, parce que franchement, il déchire. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux. Et on se dit, ciao tout le monde, bye bye.